Bien, si vous le voulez bien, pour euh, <coughs> pouvoir terminer sans trop courir, euh, je vais vous proposer euh, donc de clôturer cette journée par une communication dont je pense certaines des, des informations que je vais pouvoir apporter euh, sont une réponse directe ou indirecte à un certain nombre de questions qui sont soulevées, puisque je vais parler de la conférence de consensus, je vais parler de la CNCDP, je vais parler du droit, je vais parler de l'éthique. Je vais aussi parler de ce que nous écrivons, puisque la recherche action que la PPEA a organisée de 2014, de 2014 à 2016 concernant les écrits des psychologues adressés au MDPH, c'était financé par la CNSA, apporte là aussi quelques informations essentielles et des recommandations et donc communiquer les conclusions de l'évaluation psychologique, le compte-rendu écrit d'examen psychologique. Rappeler en préambule que le savoir du psychologue est fait pour être communiqué, ce qui peut ne pas être une évidence. Il doit être communiqué, bien entendu, au sujet, aux parents de l'enfant ou de l'adolescent, aux services qui en ont fait la demande, quand nous sommes en situation institutionnelle et payés, effectivement, pour la plupart d'entre nous, par les pouvoirs publics. 70% des psychologues de l'enfance sont des fonctionnaires ou assimilés fonctionnaires. Il faut aussi le rappeler. Et l'intervention de la collègue le, le rappelait. Les questions qui se posent, donc quoi communiquer, comment communiquer. Pour la personne, c'est un droit indiscutable. Hein, notamment le compte-rendu écrit. Il est rappelé par la conférence de consensus dans un groupe de travail qui avait euh, apporté cette question. Alors il ne s'agit pas d'être dans le refus de communiquer, hein, il s'agit d'être dans quoi communiquer, mais que pour la plupart des, euh, des règlements internationaux, il y a un droit indiscutable à obtenir un document écrit à partir d'une euh, situation d'évaluation. Pour le psychologue, c'est une nécessité et même c'est donc devenu une obligation. C'est le produit final de l'évaluation, l'examen hein, psychologique. C'est la traduction de la connaissance et de la compréhension du développement et du fonctionnement psychologique du sujet en termes de précision psychologique, de technique et de clinique, d'acuité de l'analyse, de pertinence du diagnostic et enfin des conclusions. C'est un moyen de communication des psychologues entre eux, c'est écrit, hein, et avec les autres professionnels à qui il va être. Pour certaines situations adressées, c'est un accès, une lecture par le patient, on va dire adulte ou même grand adolescent, ou ses parents, enfants et adolescents, hein, sachant qu'il n'y a pas d'écrit des psychologues qui ne soit envoyé euh, préalablement, d'une certaine manière, aux familles qui en autorisent la diffusion ou la transmission, y compris euh, quand on est psychologue en institution. Et le contenu, on le sait, met en jeu le professionnalisme, le nôtre, notre responsabilité et notre crédibilité, d'une certaine manière, par rapport à la perception que les destinataires auront de cet écrit. Alors, je citerai ici Marie-Hélène Lavalard, qui en 2000, dans, dans le bulletin de psychologie consacré à l'évaluation et à la déontologie, rappelait que l'indépendance du psychologue dans ses décisions a pour corollaire l'obligation d'en répondre. On ne peut pas se prévaloir abusivement des limites et des incertitudes de l'évaluation psychologique, voire du secret professionnel, pour s'affranchir de rendre compte de son exercice et de son expertise en termes adaptés et compréhensibles. En d'autres termes, nous ne pouvons pas nous abriter derrière d'éventuelles considérations, y compris de protection de la personne, pour nous abstenir de ne pas écrire. La question est, qu'allons-nous écrire Mais nous ne pouvons pas nous abstenir de ne pas écrire. Nous abstenir d'écrire. Alors, sur le plan international, beaucoup de conventions, je les mets ici pour mémoire, il ne s'agit pas de les lire une par une, mais pour rappeler que tous les textes juridiques, internationaux, européens et nationaux actuels vont dans le sens de promouvoir l'autonomie et la protection des personnes, de défendre les libertés individuelles, de favoriser l'exercice de la citoyenneté, de développer la cohésion sociale et d'affirmer le droit des usagers. En d'autres termes, rappelons tout simplement que tout écrit du psychologue destiné à être lu par d'autres personnes qui ne sont pas les destinataires premiers. Hein, si on envoie un document à l'MDPH, on va écrire éventuellement à la commission, à l'équipe pluridisciplinaire, mais que tout document écrit doit être envoyé aux parents. Ils en sont destinataires en tant que responsables légaux. Et ça, c'est quand même à rappeler, ce qui signifie bien entendu une responsabilité cru pour le psychologue comment écrire un seul document, puisqu'il s'agit bien d'un seul document. Il n'y a pas plusieurs documents. Éventuellement, on peut envisager un document qui soit adressé à l'enfant, qui soit suffisamment bon lecteur pour comprendre de quoi il s'agit, avant de comprendre des termes un petit peu plus évolués. Et ça, c'est l'évaluation thérapeutique, le modèle de l'évaluation thérapeutique qui nous propose quelques voies. On a quelques textes juridiques, moi j'en garderai quelques-uns sur lesquels on doit s'appuyer, qui sont les textes juridiques, déontologiques, scientifiques et consultatifs en France. Ce sont euh, tous ces textes concernant euh, le, la, la juridiction et là euh, j'en je, aborderai quelques-uns, bien entendu le code de déontologie dans son actualisation de février 2012, la conférence de consensus et puis la recherche action sur l'évaluation psychologique des enfants en situation de handicap, dont la PPEA a publié en janvier 2016, destinée à la CNSA, euh, les principales conclusions. Hein, c'est un rapport. Alors les textes juridiques, c'est pareil, il y en a un certain nombre, je me limiterai à ceux qui sont essentiels pour nous. Hein. C'est celui du Code pénal sur le secret professionnel, l'article 226.13. C'est aussi la, la loi 2002-2 de définition de structuration de l'action sociale et médico-sociale, particulièrement importante par rapport à ce qu'elle va transformer et introduire des mutations considérables dans le monde du médico-social, notamment autour, par exemple, du conseil d'établissement, de la participation des parents, le livret individuel, le livret d'accueil, la charte de fonctionnement de l'établissement. Ça a été particulièrement important. La loi 2002-303, dite loi Kouchner, vous le saviez, avec l'accès au dossier médical, avec la notion hein, d'accès à toutes les informations pour les patients, on est là dans le dans le modèle médical. Je suis bien d'accord, mais on a aussi les articles deux articles qui par, parlent du partage d'informations à caractère secret et autour de la protection de l'enfance, qui sont au code de l'action sociale et des familles, et puis. Dernière date est particulièrement importante, et là je souhaiterais qu'il ne passe pas inaperçu, l'article 114 du Code de la santé publique 2016, hein, qui parle d'informations partagées strictement nécessaires, et ça touche la santé, le social, le médico-social, ça touchera le domaine de l'éducation. Il est évident que l'extension de ce texte, comme celui de la loi Kouchner, va permettre une extension de euh, cette information. Ça implique beaucoup de professionnels. Et notre difficulté à nous, vous le savez, nous ne sommes pas dans le Code de la santé alors que nous sommes des professionnels de la santé, de la santé mentale, c'est une évidence. Et là, c'est un frein et vraiment quelque chose qui, sur le plan législatif et juridique, est problématique. Alors le Code de déontologie, on a rappelé les droits tout à l'heure, notamment avec Mélanie. Je pense que c'est quelque chose qu'on aura dans votre document, donc euh, je ne citerai pas tous ces articles, ces principes, hein, mais nous en avons quelques-uns qui concernent effectivement la transmission des informations et notamment tout ce qui va être de l'ordre de l'écrit. Les travaux sur la CNCDP, pour ma part, je n'ai pas regardé les 480 peut-être actuels. Sur 400 avis de la CNCDP, 35% des questions posées concernent les écrits des psychologues. C'est quand même considérable. Hein, rapport, compte rendu, certificat. Hein. Donc un tiers des questionnements adressés à la Commission nationale de déontologie euh, touche la question de ce que nous écrivons, souvent sous la forme de plainte, de justification ou en tout cas de savoir si nous, sont, nous sommes dans les clous de la loi. 70% des plaintes des usagers à l'encontre des psychologues concernent les écrits que ceux-ci produisent. Et Nous avons beaucoup de collègues qui sont aujourd'hui confrontés à des situations et donc au tribunal. Il y a une inflation, c'est marqué dans ce document de 2010 de la CNCDP dans une des journées, les assassinations du psychologue. Inflation de litiges, d'autant plus préoccupante qu'elle s'inscrit dans un contexte de judiciarisation croissante, avec deux types de problèmes les écrits sont perçus comme tendancieux car posant problème, ou le contexte de leur production ou leur forme. Est inadéquate. Et là, nous avons à nous interroger sur cette question. La conférence de consensus avec les 30-32 recommandations et le groupe d'expertise, elle est disponible sur le site de la FFPP, sur le site de la PPEA. Et je suis tout à fait d'accord avec euh, euh, Benoît Schneider pour dire que là, nous avons peut-être à reprendre quelque chose. Les usagers, les familles, les associations se sont beaucoup plus saisis des travaux de cette conférence de consensus que nous avons conduite avec quatre grosses organisations euh, que les psychologues eux-mêmes. Et beaucoup trop de psychologues n'en ont pas la connaissance ou ne saisissent pas quel est l'intérêt. Il s'agissait d'une conférence de consensus scientifique, on est d'accord, qui permettait de comprendre en quoi était, euh, comment cadrer une évaluation, en quoi consistait une évaluation psychologique. Et avec plusieurs groupes de travail, je vous laisse le découvrir, il y a eu une publication. Et nous avons eu aussi un flyer que vous pouvez avoir en PDF si vous allez sur le site rechercher ces informations. C'est un PDF qui rappelle les 32 recommandations. Alors, je les passe ici pour ne pas trop prendre de temps sur la suite. Il y en a cinq de la 28 à la 32, rappelées par Marie-Christine Filbert, qui sont des recommandations du jury concernant la transmission écrite, la communication écrite et euh, le rapport en quelque sorte que le psychologue va pouvoir avoir. Elles sont accompagnées, ces recommandations, de commentaires, hein, mais nous n'avons pas le temps d'y consacrer euh, euh, suffisamment d'espace aujourd'hui. Alors je voudrais aborder avec vous euh, justement la question de l'étranger, je ne l'avais pas entendu quand Benoît rappelait ce terme-là, mais la question de l'international, où en sont nos collègues de ces questions, qui les ont traversées, bien entendu, un petit peu avant nous, parfois plusieurs décennies avant nous. Et euh, si nous regardons du côté de l'ordre des psychologues du Québec, du côté de la British Psychological Society ou de l'American Psychological Association, il y a des lignes directrices pour la rédaction du rapport d'évaluation psychologique. C'est-à-dire que ces organisations professionnelles proposent un cadre protecteur pour le psychologue pour permettre de euh, structurer leurs informations écrites. Il y a aussi des standards euh, psychologiques et puis des conseils pour les rédactions écrites. Et la FSP, la Fédération suisse des psychologues, est en train de travailler aujourd'hui des lignes directrices pour l'expertise psychologique et le rapport qui ira avec. Alors sur les ressources, ben, actuellement, c'est assez pauvre. Hein Il y a très très peu de publications. Enfin, Benoît en évoquait deux. Les questions de, de bibliographie francophone sont très limitées. Les questions de bibliographie anglophone sont beaucoup plus nombreuses mais établi essentiellement sur le modèle médical, il faut le savoir. En gros, la réglementation des écrits des psychologues dans les autres pays, quand elle va même jusqu'à des formes juridiques ou législatives euh, qui sont engagées, c'est-à-dire qu'il y a un statut de l'écrit psychologique, sont bâtis historiquement sur le modèle que les médecins ont euh, créé pour euh, leur propre production. Alors nous avons, euh, concernant ces aspects-là, on peut aller beaucoup plus loin avec un un ordre des psychologues du Québec, par exemple, qui, pour l'évaluation ou l'expertise et le rapport qui va avec, ils appellent ça un rapport d'expertise ou un rapport d'évaluation psychologique, Mais vous avez des lignes directrices qui préconisent pour le psychologue à propos des troubles d'apprentissage, des troubles du comportement, de la déficience intellectuelle, des TND, du TSA, etc. Ou, par exemple, vous voyez... Ligne directrice pour l'évaluation euh, en situation où on demande aux psychologues euh, une expertise sur la garde d'enfants et les droits d'accès euh, aux parents concernés. Euh, ou encore sur l'âge d'admission à l'école hein, quand il y a des demandes, par exemple, d'accélération du cursus scolaire. C'est-à-dire que là, les psychologues ont construit eux-mêmes, hein, dans, dans, au, au Québec, euh, mais à l'image d'autres pays, ils ont construit eux-mêmes des guidelines. Qui leur permet d'être, pour les psychologues, protégés dans l'exercice de leur activité. Et, et, et il ne s'agit pas d'un cadre restreint, mais il s'agit de possibilités de travailler dans les meilleures conditions qui soient. Et ça veut dire que tous les employeurs des psychologues, y compris bien entendu euh, l'État, hein, les pouvoirs publics dans, dans ces pays-là, doivent forcément laisser une plage temporelle suffisante pour que le psychologue conduise ses activités. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de protection de l'exercice et, au, à l'ordre des psychologues du Québec, vous avez à rédiger un document, vous avez trois heures hein, professionnelles qui sont réservées à l'exercice de cet écrit. Alors, euh, là, par exemple, concernant euh, l'évaluation du retard mental, vous voyez comment c'est établi. Vous avez des définitions et des critères cliniques. Hein, vous avez la mention que doit euh, proposer le psychologue hein, euh, sur un certain nombre de dimensions, et puis dans la rédaction du rapport, rappeler l'après-diagnostic, les suites à donner, l'impact sur la pratique, etc., etc. Alors, on est dans un, un, un moment, je trouve, de convergence parce qu'on a la loi de 2005 qui a été beaucoup rappelée avec ces questions d'évaluation qui sont absolument considérables parce que je voudrais simplement attirer l'attention. Et là aussi, nous avons tendance à être un petit peu aveugles, ou en tout cas pas très réactifs. C'est le premier texte hein, <coughs> juridique qui reconnaît, rend visible et officialise la spécificité de l'évaluation psychologique et ses apports. Et ça, c'est absolument considérable. C'est-à-dire dans un décret qui est celui du GEVA, guide d'évaluation, qui permet, publié en 2008, de travailler pour les équipes pluridisciplinaires autour de plusieurs volets qui sont tous à égalité il y a le volet médical, le volet psychologique, le volet social, le volet <coughs> conditions de vie, le volet euh, formation professionnelle et scolarisation, etc. Tous ces volets doivent être renseignés, en tout cas quand ils sont euh, utiles à euh, l'analyse et la synthèse qu'en feront les membres de l'équipe pluridisciplinaire pour justifier ou reconnaître la situation de handicap de cette personne avant que ce soit validé ou rediscuté à la CDAPH. Donc, il nous faudrait dans cette perspective, hein, on a un volet psychologique, la question c'est repenser l'évaluation basée sur un modèle fonctionnel au delà du catégoriel. Or, la question qui s'est posée c'est comment les psychologues, après cette loi de 2005, est-ce qu'ils écrivent différemment leur compte rendu Est-ce qu'ils envisagent différemment leurs évaluations psychologiques ben, d'une certaine manière, on en est assez loin. Hein et euh, alors que le GEVA c'est la clé de voûte de ce processus d'évaluation, c'est euh, à partir de là que des propositions et des décisions de mesures d'accompagnement et de compensation seront prises. Les équipes pluridisciplinaires travaillent sur dossier. Ça a été évoqué ce matin par des questions. Les psychologues sont amenés à écrire de plus en plus y compris pour des altérations de fonctions cognitives, comme des dyslexies ou une forme de, de dyspraxie, tout ce qui va être trouble éventuellement instrumental, etc., sont amenés à envoyer des comptes rendus dont ils ne comprennent pas, dans le fond, l'utilisation euh, et euh, l'intérêt, en tout cas, quelles sont les informations pertinentes qu'on pourrait leur adresser. Un rappel sur ce qu'est la situation de handicap pour les enfants, et là aussi, c'est quelque chose de considérable. Sur, trois enfants sur quatre sont aujourd'hui reconnus en situation de handicap pour des troubles. Vous le voyez ici euh, troubles intellectuels en vert, en rose ou rouge, euh, troubles du psychisme, et en jaune, troubles du langage et de la parole. C'est-à-dire qu'en gros, les trois quarts des enfants sont aujourd'hui reconnus en situation de handicap pour des raisons d'altération de fonctions mentales, cognitives et psychiques. C'est-à-dire que le besoin d'évaluation psychologique paraît tout à fait évident et que chacun, qu'on soit en libéral ou en institution scolaire, médico-sociale, hospitalière, va travailler de plus en plus demain, si ce n'est déjà aujourd'hui, pour éclairer ces situations de handicap, compte tenu du décret, donc de la loi qui reconnaît et identifie clairement l'évaluation psychologique. Moi, je trouve que c'est un support considérable aujourd'hui pour avancer, mais il faudrait qu'on aille un petit peu plus loin. Hein pour que notre travail soit mieux sans doute compris, plus équilibré, plus harmonisé et puis qu'on réponde à des questions qui nous sont posées. Très vite parce que c'est quelque chose que vous connaissez, c'est euh, euh, l'évaluation donc euh, la, la recherche action à laquelle euh, nous avons euh, répondu qui était un appel d'offre de la CNSA et qui pour ces troubles mentaux, troubles psychiques, troubles cognitifs, comme je vous le disais, l'évaluation psychologique est aujourd'hui importante et demandée. La CNSA avait des retours des MDPH qui, deux ans après la loi de 2005, son application montrait bien qu'il y avait quelque chose qui clochait dans toutes les informations qui arrivaient auprès des équipes pluridisciplinaires. En gros, chacun continuait comme avant sur le modèle plutôt catégoriel, c'est-à-dire qu'on nourrissait en QI les équipes pluridisciplinaires d'évaluation. Alors, nous avons euh, établi un comité scientifique et de suivi très, très large, hein, avec plus d'une trentaine d'organisations, d'institutions, euh, d'équipes universitaires. Euh, euh, de, de, euh, voilà. Pour permettre euh, l'élaboration d'une méthodologie de recherche, que je vous donne très rapidement, nous avons travaillé sur 265 comptes rendus, c'est-à-dire, en gros, ce que nous écrivons. Quand les psychologues envoient... Euh, euh, un euh, compte-rendu d'évaluation psychologique c'est-à-dire nous, qu'est-ce que nous écrivons quand nous adressons au MDPH 24 MDPH ont contribué à ce recueil hein, et nous ont permis euh, faire, donc faire euh, pour les 260 comptes-rendus 11 focus groups, c'est-à-dire qu'on a filmé des équipes pluridisciplinaires questionnées ou en train de travailler 40 entretiens, 39 conduits avec des psychologues sur leurs attentes et leurs interrogations sur justement cet écrit, et puis des questionnaires sur les membres des équipes pluridisciplinaires. Je passe sur les, la méthodologie très raisonnée et, et appuyée sur des validations scientifiques qui nous ont permis, pour les comptes rendus, d'aborder quelques grandes, grandes conclusions. Alors, d'abord, grande hétérogénéité de ce que nous transmettons au MDPH. On a trouvé des comptes rendus extrêmement contrastés, des situations d'évaluation psychologique multiples, des formats différents, des niveaux d'information contrastés, des psychologues rédacteurs en majorité de l'éducation nationale, pour l'instant en tout cas, de nombreux comptes rendus qui n'envisagent pas la, la, la transmission aux familles de par l'information qu'elle contenait. Il était évident que les familles n'étaient pas destinataires et donc lectrices de ces documents. Ça nous paraissait heurter euh, les familles, ni modèle catégoriel, ni modèle fonctionnel, une masse de psychométrie. Nous fournissons, alors nous contestons cette psychométrie dans les entretiens conduits par les psychologues, hein. ils disent nous on en a marre, on attend de nous de la psychométrie, mais en même temps nous la fournissons très clairement. Il y a là un contraste très fort qui montre le malaise hein, et l'ambivalence dans laquelle nous travaillons et des préconisations, le problème non argumenté ou non articulé à la présentation, la situation de handicap, ce n'est pas euh, un modèle catégoriel qui nous est demandé. Euh, on n'a pas à dire si c'est une dyslexie ou euh, si c'est un trouble du spectre autistique, mais comment ça l'est. Et cette question du comment, nous avons encore beaucoup de progrès pour pouvoir la montrer. Conclusion simplifiée, évaluation psychologique réduite à l'examen intellectuel avec une échelle classique et souvent limité à des données chiffrées. Pas ou très peu d'évaluation des dimensions fonctionnelles et développementales, le fonctionnement adaptatif qu'on a pu aborder, les habiletés, euh, euh, le fonctionnement euh, euh, adaptatif, la dynamique et les ressources personnelles, pourquoi pas à travers des épreuves projectives, les habiletés sociales, les potentiels évolutifs, hein, il s'agit d'avoir un modèle dimensionnel, et puis les caractéristiques de la personnalité. Et donc, troisième point, grande insuffisance ou inadéquation des informations psychologiques au regard des classifications, des textes, des objectifs et des nécessités et modalités de fonctionnement de l'évaluation. Donc on a là encore un gros travail à faire, mais toutes les professions sont marquées par cette nécessité de mutation. Je veux dire, le modèle catégoriel médical n'est plus non plus d'actualité. Nous n'avons pas besoin d'avoir un diagnostic défini euh, et euh, fermés pour le fonctionnement des équipes pluridisciplinaires, mais c'est toujours pareil. Quelles sont les perspectives d'évolution Où on en est de cette situation de l'enfant Comment on peut intervenir Qu'est-ce qui serait préconisé pour euh, un meilleur accompagnement et euh, une coordination des soins Et que là, euh, les médecins n'ont pas encore fait ce travail hein, d'analyse de, de, euh, de, de, des comptes rendus qu'ils pouvaient adresser à la MDPH. Alors, les risques de tout ça, ben, c'est que l'étude des dossiers et euh, la notification, c'est-à-dire préparée par les équipes pluridisciplinaires et euh, euh, donnée par la CDAPH dans les MDPH, sur la base d'informations <coughs> limites, voire euh, sans volet euh, psychologique, c'est-à-dire que cette notification soit faite de plus en plus sans l'intérêt, euh, la, la, la curiosité qui peut être donnée. Et, et, et la richesse que peut apporter le volet psychologique. C'est un renoncement aux informations pertinentes, c'est le risque que nous avons alors que c'est la première fois qu'un texte législatif clarifie un statut hein, qui est le nôtre au terme de, en termes de pratique. Une disqualification de la fonction d'évaluation psychologique. En gros, si nous ne répondons pas aux attentes qui nous sont faites, le risque, hein, c'est que nous ayons un regard qui nous a été introduit tout à l'heure à la fois par les familles, par les personnes, mais aussi par les autres membres des institutions, en disant ben, on va se passer de l'information psychologique si ça doit être aussi diversifié, aussi euh, hétérogène. Et c'est une forme de discrédit porté sur nos pratiques. Enfin, les conséquences pour les personnes en termes de droits. Là aussi, ça a été évoqué. Il n'y a pas d'équité chez nous sur le territoire, et ça c'est problématique hein, selon les possibilités d'accès des personnes au service public dans lequel il y a des psychologues. Hein, L'encombrement, le retard, les listes d'attente, euh, euh, c'est vraiment énorme. Et puis le fait qu'il n'y a pas de guidelines très claires et que chacun travaille comme il le peut ou comme il le veut avec ses risques d'hétérogénéité. Et donc cette reconnaissance de situation de handicap, elle pose aujourd'hui de gros problèmes, hein, notamment dans la validation du taux d'incapacité et les notifications des compensations. On assiste là à des dérives hein, d'inégalités, de compensation qui sont attribuées aux enfants selon les, les espaces dans lesquels ils se trouvent. Alors, je passerai là sur quelques DIA qui rappelaient les entretiens avec les psychologues, euh, les focus group des équipes pluridisciplinaires, pour dire que ben, les psychologues manifestent dans cet entretien deux de, de polarités, en gros, hein, celle d'une très haute euh, représentation éthique et clinique de leur métier. Et ça, c'est quelque chose qui était très porteur. Hein. C'est-à-dire qu'ils veulent vraiment, ils ont tout à fait conscience de ce rôle qu'ils ont à jouer. Mais de l'autre aussi, c'est leur ambivalence vis-à-vis -vis des comptes rendus. Le malaise qu'ils éprouvent, euh, la procrastination qui est de la réponse la plus classique, je l'écris au dernier moment, ça me prend la tête, j'ai je, je, du mal, il me faut du temps, on ne m'en donne pas. Je ne sais pas ce qu'il faut écrire. Je ne sais pas ce qui intéresse les lecteurs potentiels. Je ne sais pas ce qu'on va faire de mon document. Donc à la fois des réserves, c'est-à-dire ils manifestent vraiment des souhaits de travail les plus habiles et dignes qui soient, et en même temps sont pris dans cette double contrainte qui est quelque chose auquel ils ont des réponses individuelles. Pour les équipes pluridisciplinaires, je passerai très rapidement. Elle travaille toujours sur un modèle très médical. On a vu le fonctionnement des équipes pluridisciplinaires. La parole euh, 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 la plus influente est celle du médecin, ce qui n'est pas dans l'esprit de la loi, puisque l'équipe pluridisciplinaire, par définition, doit envisager les aspects sociaux, scolaires, éducatifs, psychologiques, médicaux de l'enfant. Mais on sait bien que les décisions sont toujours prises la parole influente, c'est la parole médicale. Et là, c'est quelque chose aussi qu'on aurait tout à fait à revoir. Alors, les recommandations, on en a fait cinq grandes catégories. Moi, je vous invite à aller le lire. Vous allez sur le site de la PPEA et vous regardez, il y a une petite bulle, un hein, index, c'est euh, Recherche-action et vous avez la publication de la synthèse. Donc, je rappellerai euh, simplement pour euh, mémoire, par exemple, c'est... Euh, Promouvoir une approche civique de l'évaluation au-delà d'une approche clinique du diagnostic, passer du modèle catégoriel au modèle fonctionnel, nous pouvons le faire. Nous pouvons inviter à dire voilà ce qui se présente si l'enfant peut être accompagné, voilà ce qu'on peut envisager, voilà enfin, quelque chose qui soit une, une approche euh, longitudinale hein, et progressive. Et puis, euh, voilà, adopter cette logique d'évaluation qui s'est imposée à tous sur un modèle médical à une évaluation qui soit beaucoup plus fonctionnelle. Donc, je passerai sur les autres recommandations. Nous en avons plusieurs. J'espère que la CNCDP va s'en emparer, parce que je pense que c'est vraiment là aussi un travail scientifique, hein, un travail raisonné, il y a vraiment argumenté. Nous avons eu la validation dans la méthodologie scientifique du CNRS. Donc, je crois que là, ce travail est tout à fait important par rapport à ce qui vous interroge. Donc, je terminerai par euh, voilà, ce, ce document. allez y apppea.org app.org/slash/recherche. Hein, Vous tombez tout de suite dessus avec euh, un document de synthèse qui fait 17 pages, qui est tout à fait accessible. J'accède à la conclusion. Hein. Le compte-rendu d'évaluation psychologique nous engage il reflète notre sens clinique, celui de nos responsabilités professionnelles et il témoigne de la dimension éthique de notre pratique. Il a besoin d'être défini et encadré. Par humilité et prudence, je ne proposerai pas la définition que j'en ai suggérée dans un article, parce que euh, moi, j'en appellerai plutôt un travail de la profession autour de cette question. Les guidelines, ce n'est pas une personne qui doit les définir. Nous avons aujourd'hui plein nous avons les textes juridiques, les textes scientifiques, les textes déontologiques, l'éthique. Nous pouvons travailler vers un minimum de standards et de labellisation. On a entendu ce matin la labellisation des outils. Il faut maintenant passer par la labellisation des méthodes, des approches et de la temporalité. On a vu des examens psychologiques qui étaient faits en une heure. Moi, je pense que dans la profession, on ne peut pas les accepter. Que, euh, un, on appelle examen psychologique une situation envisagée en une heure. Voilà. Donc, brièveté, clarté, considération clinique générale, pertinence par rapport à la question posée. Et à la demande exprimée, synthèse et recommandation. Donc, le contexte actuel est vraiment favorable, c'est ma dernière DIA, pour améliorer les pratiques psychologiques dans la démarche d'évaluation et l'approche diagnostique chez l'enfant et l'adolescent. Je crois que nous sommes mûrs, il faut vraiment avancer. Les autres pays nous ont montré les voies possibles s'appuyer sur l'ensemble des travaux scientifiques et des recommandations actuelles, réglementaires, législatives, éthiques, déontologiques, pour définir les standards de l'évaluation. Et notamment sa communication. Et puis conforter les psychologues qui sont aujourd'hui, quand même, souvent pressés, parfois harcelés dans les dispositifs où ils travaillent hein, par rapport à cette, ce souci de la communication. Donc, dans leur souci de communiquer par écrit leurs analyses et leurs conclusions, il faut les aider à le faire avec respect, dignité, pertinence, efficacité et confidentialité. Et pour ma part, je pense que ça n'est pas une stratégie individuelle. Il faut vraiment prendre en main, parce que si ce, enfin, ce ne sont pas les psychologues qui le font, mais ce sont les autres, c'est-à-dire ceux que j'appelle les usagers, ou les institutionnels et les employeurs qui vont le décider pour nous. Et je crois que ce serait la plus mauvaise des solutions. Voilà, je vous remercie.